Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve sur le serveur Halls de la version internationale. Donc aujourd'hui on est le dernier jour pour de l'événement du Memory Game. Donc c'est parti. Alors, je vais reprendre ma petite fiche. J'avais déjà publié une vidéo juste avant avec la version française. J'ai pas réussi à terminer le concours. Donc là on va essayer aujourd'hui de le terminer au moins sur cette version-là. Donc je dézoome pour qu'on puisse voir la carte en entier. Sinon, ça c'est un peu plus compliqué. Voilà, et j'ai une boule de cristal. Donc, on l'active. Hop, un petit coup d'impair écran. On ouvre Paint. On colle. Et on n'a plus qu'à qu'à écrire. Alors, hop, le tigre. Le pingouin, il est à la cinquième case. 1, 2, 3, 4, 5. Pingouin. Le cœur. Il est là. Le tapis bleu. Il est là. Alors, en tout cas, sur cette version-là, j'ai plus avancé. J'ai beaucoup moins de difficultés. J'ai plus souvent le Joker boule de cristal que sur la version française. Et je pense que du coup, ça m'a quand même vachement permis d'avancer beaucoup plus vite. Donc voilà. Et on a le Tréalzan à la dernière case. Donc là, on va voir. Normalement, je devrais terminer avec toutes les cases que j'ai. Mais bon, on va voir. Donc déjà, le cœur. Donc le cœur, il était à la troisième ligne et à la quatrième case, ici. Et le deuxième, il était ici, si je me trompe pas. Ouais. Ok. Donc là, je regarde vite fait sur ma feuille si j'ai pas d'autres... d'autres cases que j'ai écrites et que j'ai pas pu retourner à temps. Donc j'ai le pingouin il est là et là. Voilà. Là je regarde, j'ai un booster feuille, un tigre, un panda, les bonnes bleues, booster eau. Donc non. Alors, nous on va commencer avec cette case-là. Donc ça c'est un trait noir. Le trait noir, normalement, j'ai pas encore trouvé. Donc on va le prendre avec la première case du haut. Bingo. Chance. Et ben, ce que vous venez de voir, je l'ai tout le temps sur cette version. C'est un truc de ouf. Alors que sur la version française sur le monde Gaïa, impossible à avoir un truc pareil. C'est quand même fou. Très gris. Non, j'ai vu 4 cases après. C'est fou ça. Cette case-là. On est sur du Tréalzan. Et l'autre Tréalzan, je l'ai vu ici. Ok, la case ici. Tigre et tigre tout en haut. Hop. Ok, donc là il me reste deux cases. Celui-là je le connais. Donc je vais prendre celui-ci. C'est un trait blanc. Et le trait blanc, normalement, j'avais déjà dû le découvrir. Le trait blanc il est là. Booster feuille ici. Et là le trait blanc. Voilà. Honnêtement, sans avoir noté sur une feuille. C'était impossible pour moi de finir le concours. Enfin, pour être réaliste, hein, j'ai une très mauvaise mémoire, surtout sur autant de cases. Alors, ensuite, ces deux-là, je les connais. Celui-là, je ne le connais pas. C'est un tapis bleu, et le tapis bleu, je l'ai vu. Deux cases à droite, deux cases en bas. Voilà. Ensuite, celui-là, je le connais pas. Booster soleil. Le booster soleil. Il est tout en haut, troisième case. Ok. Et je sais pas si vous avez remarqué, mais sur l'une des deux versions, il me semble que quand je trouve plein de cases d'affilée, je n'ai pas de vie. Alors je sais pas si c'est un bug, mais c'est vrai que c'est quand même embêtant. Donc ça, c'est l'éléphant. L'éléphant, je l'ai vu. Dernière case en bas. Avant-dernière case, pardon. Ensuite, il me reste une case à découvrir au milieu, et c'est la case la plus haute. C'est celle-là. Et celle-là, c'est le panda. Et le panda en haut à gauche. Voyez, en fait, la stratégie, c'est exactement la même que sur la version française. Mais je ne sais pas pourquoi. Sur cette version-là, c'est beaucoup plus facile, quoi. Donc les bandes bleues, on les a vues en bas là. La case là.
Booster haut. Booster haut, je l'ai vu ici. Ok. La case là. Alors ça, c'est l'hippopotame, il est en bas. Et voilà. Et là, je finis le concours avec 6 vies en plus. C'est fou quand même. Et j'ai joué exactement de la même manière. Donc là, j'ai fini l'événement. J'ai gagné le petit panda. Je suis super contente parce que du coup, bah, j'ai pas payé, j'ai pas mis de passe dedans. Surtout que là, ça, franchement, ça n'avait pas le coup. Vous voyez, sur la version française, j'aurais pu payer pour avoir le panda. Mais j'avais vraiment pas envie. Et de toute façon, j'ai pas assez de passe en réserve pour pouvoir me permettre d'acheter ça. Donc voilà. J'espère que pour ceux qui regardent la vidéo, qui jouent avec vidéo, vous avez pu terminer le concours à temps. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve bientôt. Mais congrulation, when you vis explosive press panda.